Papa, essayer de se promouvoir en parlant mal des autres. Parce que, comme par exemple, on vient de passer par une période électorale, élection municipale ici, et ça, c'est un bon exemple. Pendant les élections, il y en a beaucoup de candidats qui ils ne font que parler mal des autres, qui font que attaquer les autres, mais ils disent rien qu'ils ont de bon à apporter. Ils ne nous disent pas ce qu'ils ont de bon à apporter, ils font juste dire parce que l'autre a dit ça, l'autre a fait ça. Donc non, c'est pas une bonne attitude. En passant, c'est mon amie qui a gagné les élections comme mairesse de ma ville et je suis très fière d'elle justement parce qu'elle a fait une campagne comme ça. Elle dit toujours ce qu'elle a de positif à apporter à la communauté. Elle va jamais parler mal des autres. Donc quand nous, comme décoratrices, c'est la même chose. Donc c'est de dire toujours ce que nous, on apporte de positif à nos clients, que c'est les problèmes qu'on peut régler pour nos clients. Et on va jamais attaquer les concurrents. Et l'erreur, en fait, que je veux à ne pas commettre quand on commence, c'est de ne pas passer trop de temps à surveiller les concurrents, à les fouiller dans leur site Internet, leur page Facebook, leur page Instagram. Ah, parce qu'ils ont plus de likes, ils ont moins de likes, parce qu'il a fait telle chose, a fait telle chose. Vous pouvez regarder de temps en temps si vous voulez, juste pour savoir qu'est-ce qui se passe, mais perdez pas votre temps et votre énergie à surveiller les concurrents tout le temps. Prenez ce temps et cette énergie-là pour améliorer vos services, pour promouvoir vos services, pour trouver des choses intéressantes pour vos réseaux sociaux, pour votre site Internet, pour vos clients. OK?